Acts chapitre 4, verset 12. Acts 4, verse 12. C'est un passage que beaucoup connaissent. It's a passage that many of you know. Seigneur, merci pour ta présence. Thank you, Lord, for your presence. Nous voulons te laisser vraiment la place, toute la place. We want to leave you the place, Lord. Nous sommes ici pour toi, Seigneur. We're here for you. Aide-nous à faire ta volonté. Help us to do your will. Pardonne nos manquements. Forgive, Lord, our mishaps. Pardonne nos péchés. Our sins. Seigneur, soutiens-nous. Help us, Lord. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Acte chapitre 4. Acts 4. Alors, comme vous voyez, hein, le titre de ce livre parle de lui-même. The title of this book speaks for itself. On parle des actes. The acts. On parle des œuvres. The works. On parle des actions. Actions. Le L de la Bible. The L of the Bible. Et le L qui est tout le temps en mouvement. Is the L that's always moving. Alléluia. Il est tout le temps en mouvement. It's always moving. Si vous arrivez au ciel, if you get to heaven, vous allez voir que tout autour du trône, you'll see that all around the throne, et dans le trône, and in the throne, il y a des activités. There's activities. On nous parle des tonnerres, there's thunders, on nous parle des éclairs, lightnings, on nous parle des couleurs, colors, on nous parle de cet arc d'arc-en-ciel. Donc il y a des mouvements en permanence. There's always movement. On nous parle des voix qui sortent de là également. Voices that comes in. De la mélodie, des mélodies. Songs. Donc, le Seigneur est tout le temps en mouvement. The Lord is always moving. Voilà pourquoi il se présente dans les Écritures comme le roi, le Kodesh roi, as the Holy Spirit, le Saint souffle, the Holy Breath. Alléluia. Ou la sainte haleine. A holy breath. Alléluia. Le L, the L du ciel et de la terre, of the heavens and the earth, l'Elohim du ciel et de la terre, Elohim of the heavens and the earth, vient nous voir, comes and visits us. Et il est venu nous voir, il a pris des humains and tels que nous, took humans like us, tels que Pierre, Paul, Jacques et Jean. Peter, Paul. Il les a transformés. And he transformed them. Il les a pris tels qu'ils étaient, took them as they were, avec leurs failles, with their faults, leurs défauts. Oh. Il y en a qui étaient violents. Some were violent. Paul se présente comme un homme. Paul. Très violent à l'époque. Et il y avait des brigands. There were thieves. Il y avait des prostituées. Prostitutes. Il les a pris. And the Lord took il les a façonnés. And fashioned them. Tel un potier. As a potter. Il les a transformés. He transformed them. Il a mis en eux sa he puissance. Put in them his power. Et il les a envoyés. And he sent them au milieu des loups. In amongst the et ces hommes et ces femmes. And those women ont produit des actes. Produced acts. Et ces actes sont énumérés dans ce livre. And these acts are written in the books. Des actes extraordinaires. Extraordinary acts. Révélant. Revealing. Le L tout-puissant. The Almighty L. Alléluia. Amen. Et justement, 40 jours après sa résurrection. And 40 days after his resurrection. Il monte au ciel. He goes to heaven. Avant qu'il n'aille au ciel. But before going to heaven. Pendant 40 jours. For 40 days. Après sa résurrection. After his resurrection. Il va leur parler. He speaks to them. Il parle aux apôtres. He speaks to the apostles. Il parle aux disciples. He speaks to the disciples. Il parle aux femmes telles que Maria, Miriam, du royaume of the kingdom, d'Elohim. Of Elohim. Il n'a pas parlé de l'argent. He did not speak of money. Il n'a pas parlé de la construction d'un bâtiment. He did not speak of constructing a building. Il n'a pas parlé de la glorification d'un ministère. He did not speak of glorifying mais il leur a parlé du royaume. He spoke about the kingdom. Pourquoi? Why? C'est le royaume à venir. It's the kingdom to come. Un royaume qui devait venir en deux temps. A kingdom that should come in two phases. Premièrement, firstly, en esprit. In spirit. Pour s'établir dans le cœur de l'homme. Là où il y a son trésor. Et c'est là que Elohim établit son royaume. And that's where Elohim calls his kingdom. Deuxièmement, and secondly, ce royaume viendra physiquement sur terre. Kingdom will come physically on earth. D'ailleurs, quand on voit ce qu'il y a dans le monde, when we see in the world, le coronavirus, the coronavirus, les guerres, wars, le sida, AIDS, les troubles, trouble, la destruction de la famille, destruction of the family, homme avec homme, femme avec femme, men with men, women toute cette women, confusion dans le monde, confusion in the world, toutes ces choses all these things nous montrent show us que le royaume est en train de venir physiquement sur terre. Kingdom is coming physically on earth. Alléluia. Frères, sœurs, brothers, sisters, il leur a parlé du royaume. He spoke of the kingdom. Et les apôtres à la fin, and the apostles at the end, ils lui posent la question. Ask him, Seigneur, Lord, est-ce en ce temps-ci is it in this time que tu vas rétablir le royaume d'Israël? You will establish the kingdom? Il leur a dit, ce n'est pas à vous he says, it's not for you de connaître les moments et les temps que le Père a fixé de sa propre autorité. You know the moment and the time that the Lord has fixed. Ce n'est pas à vous. Authority. It's not to you. Il a... N'est-ce pas? Il n'a pas répondu tout de suite à la préoccupation des apôtres. He did not
immediately of the preoccupation of the apostles. Oui, il viendra physiquement. The kingdom will come, yes. Mais il y a une parenthèse. But there is a parenthèse. Le royaume viendra d'abord spirituellement. The kingdom will come first spiritually. Il leur dit, mais vous, he says, you, vous recevrez. You will receive. Donc la véritable assemblée, the true assembly, est composée des hommes et des femmes qui ont reçu quelque chose. Of men and women who received something. Alléluia. Et parce qu'ils ont reçu quelque chose, ils sont appelés à s'assembler. They're called to assembly. Nous ne nous assemblons pas. They are, we're not assembling pour ourselves. Commander. To amen. Command. Amen. To command. Amen. Non, non, pour commander. To beg. Comme des mendiants. All right, like beggars. Alléluia. Amen. Beaucoup d'églises sont remplies de mendiants. Many churches are filled with pasteurs beggars. Mendiants. Pastors, prophètes mendiants. Prédicateurs mendiants. Chrétiens mendiants. Mais la véritable assemblée, the true assembly, celle que le Seigneur a bâtie, the est composée d'hommes et femmes men and women qui ont reçu des choses. Mais vous recevrez la puissance. The power, et non une puissance. Not a power, vous recevez la puissance the power du Saint-Esprit of the Holy Spirit, qui viendra sur vous. Upon you. Alléluia. Alléluia. Nous avons reçu la présence du Seigneur dans nos cœurs. It's the revetting. Il est question de l'habillement. The clothing. Rappelez-vous bien quand l'homme est tombé. Remember when man fell in sin. Il s'est retrouvé nu. He found himself naked. L'homme n'était plus couvert. The man was not covered anymore. Alléluia. Vous recevez. You will receive. Le revêtement. The revetment. Vous serez habillé. You will be clothed. De la puissance du Saint-Esprit. Of the power of the Holy Spirit. Frères, sœurs. Brothers and sisters. Un véritable enfant d'Elohim. A true child of Elohim. Donc, il arrive quelque part. When he gets somewhere, tout ce qui est autour de lui sent la présence du Seigneur. All around him, feel the presence of Alléluia. The Lord. Alléluia. Oh Seigneur. Vous recevez la puissance de Dieu. You receive the power of the Holy Spirit. Survenant. On you. Qui viendra. That will come. De manière soudaine. Suddenly. Sur vous. On you. Et vous serez. And you will be. Mes témoins. My witnesses. What witnesses? Someone who has heard. Someone who has seen. Someone who tasted. Someone who touched. You cannot be a good witness if you have not seen something. If you haven't heard nothing. If you have touched nothing. Or if you have not been touched. A witness. Chose. Someone who assisted something. Donc, l'église, the church, la véritable église, the true church, est composée, is made of hommes et femmes, men and women, qui ont entendu quelque chose, heard something. La foi vient de ce qu'on entend, from what we hear, et ce qu'on entend, and what we hear, et on entend à travers la parole du Seigneur. Alléluia. 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 Beaucoup d'églises, many churches, sont des églises des hommes, are churches of men. Dedans, vous avez des gens, in there you have people, dans ces bâtiments, in those buildings, qui ont entendu les hommes, who heard men, qui n'ont pas entendu le Créateur, who have not heard the Creator, parce qu'ils ont entendu les hommes, because they heard men, ils ont peur des sorciers, they fear ils witches, ils pêchent encore volontairement, they sin willingly, tu peux pratiquer toutes sortes de satanisme, you can practice all kinds of satanism, mais tu ne peux pas détruire quelqu'un qui a entendu le Seigneur, you cannot destroy someone who heard. Amen. Que celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles entende. May your ears hear. May those that have ears hear. Brothers. Oh Seigneur sauve. Lord help us. Mes brebis entendent ma voix. My sheep shall hear my voice. Et Joshua dit. Yeshua said. Le message. The message. Évangélique. Evangelist. Concerne ceux et celles qui ont l'entendement spirituel. Concerns those that have spiritual hearing. Ceux qui vont partir au ciel. Those that want to go to heaven. Ceux qui vont demeurer avec le Seigneur pour l'éternité. Those that will live with the Lord for eternity. Ceux et celles qui entendent. Those that will be those that hear. Et ces brebis. And those sheep ne suivent pas les mercenaires. Don't follow mercenaries. Actuellement, il y a beaucoup de prédicateurs sur YouTube. There's many preachers on YouTube. Mais les vrais but enfants the true du Seigneur children of the Lord n'entendent pas le message du Seigneur. They only hear the message of the Lord. Alléluia. Alléluia. Frères, brothers and sisters. Il a dit, vous serez mes témoins. You will be my witnesses. Pourquoi? Why? Pendant 3 ans. For 3 years. Ils ont entendu. They heard him. Oh, si tu entends la voix du Seigneur. If you hear the voice of the Lord. Quel
brings to birth animals. Hallelujah. Là où on t'a condamné. Where you were condemned. Si on s'en parle, if the Lord speaks, tes organes obéissent. Your organs are obeyed. Hallelujah. Hallelujah. Parce que tout a été fait par la parole du Seigneur. Everything was created by the word of the Lord. The Lord speaks. Tout rentre dans l'ordre. Everything comes back in order. Yeshua. In the name of Yeshua. Hallelujah. 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 Tu as entendu qui? Who did you hear? Who? Les apôtres ont dit. The apostle said. Nous ne pouvons. We can but. Nous ne pouvons pas ne pas parler. We cannot not speak. De choses que nous avons vues. Of things which we have seen. Et entendu. And heard. Frères. Brothers. Frères, sœurs. Brothers and sisters. Actuellement, right now, dans les nations, in the nations, un message qui est envoyé, there's a message that's been sent since the heavens. Les vrais enfants d'Elohim, and the true children of Elohim will hear it. Some will hear it while they're sleeping. Dans les songes, le Seigneur in dreams, the Lord calls them. Le Seigneur les the Lord visits them. Et sont pas ce message. And what is the message? Donne l'argent, tu seras riche. Is it give money? Ah. Rich? No. Va à l'église tous les dimanches? No. C'est quoi ce message? What is the message? Le monde va mal. The world is bad, right? Mais quelqu'un est en train de venir. But someone is coming back. C'est quoi ce message? What is the message? Yehoshua. 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 Quoi est le message, frère? That is the message, brother. Vous savez pourquoi beaucoup n'ont pas la foi? You know what? Many don't have faith. Ils ont tellement entendu des enseignements sur l'argent. They've heard many messages on money. Ils finissent par avoir beaucoup d'argent. They finish by having a lot of money. Mais ils sont malheureux. But they're really sad. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. I'll tell you something that will shock you. Celui qui travaille, the one that works, pour devenir riche, to become rich, est contre le Seigneur, is against the Lord. Vous voulez que je parle? You want me to speak? Même si vous ne voulez pas, je parle. Even if you don't want, I'm going to keep speaking. Parce que je ne veux pas de problème avec le Seigneur. I don't want any issues with the Lord. Le Seigneur me l'a dit. The Lord told me. À Washington, il n'y a pas longtemps. In Washington, not too long ago. Il dit celui qui travaille. The one that works. Avec la vision de devenir riche. The vision to be rich. Il est antichrist. He's anti-Christ. Il dit comment ça? I said what? How come? Si vous avez le vêtement et la nourriture. If you have clothing and food. Cela vous suffit. That is sufficient. Mais ceux qui veulent s'enrichir. But the one that wants to become rich. Ceux qui veulent devenir riche. The one that wants to become rich. Tombe dans la tentation. Fall in many temptations. Dans les pièges. In traps. C'est écrit ou pas? Is that written? C'est écrit ou pas? Alléluia! Donc quand on travaille, c'est une parenthèse. So quand on travaille, when we work, la vision c'est quoi? What's the vision? C'est pour se nourrir. It's to be fed. Et s'occuper de sa famille. And to take care of your family. Et aider les autres. And to help others. Mais vouloir devenir riche. But to want to become rich. Comme l'église de Laodicée. As the church of Laodicea. Comme beaucoup d'églises en Afrique, en Europe et ici. Africa, Europe and here. C'est devenu rapidement orgueilleux. And that's becoming proudful. Et là, on est à côté. And then you're set aside. Voilà pourquoi Yeshua disait. That's why Yeshua said. Il est beaucoup plus facile. It's easier. À un chameau de passer par un petit trou. To go through the eye of needle. Qu'un riche d'entrer là-haut. Than a rich. To enter the kingdom of God. Hallelujah! Hallelujah! Voilà le message, frère. That is the message. Tu as entendu quoi comme évangile? What have you heard as a gospel? Tu as entendu quoi? What have you heard? Serve le pasteur. Serve your pastor. Tu as entendu quoi? What have you heard? Sois fidèle à l'église. Be faithful to the church. Il y a des gens qui sont plus fidèles à l'église qu'au Seigneur. There are people who are more faithful to the church than to the Lord. Et si tu meurs comme ça, if you die in that tu vas en enfer. You go to hell. Parce que si le Seigneur te dit, if the Lord tells you, aujourd'hui dimanche, today, Sunday, va pas à l'assemblée, don't go to the assembly, reste chez toi, stay at home, tu dois obéir, you must obey. Même si le pasteur t'appelle, even if the pastor calls, dis pasteur, you say pastor, je suis au service du Seigneur, I'm at the service of the Lord, comme toi tu es au service du Seigneur, as much as you are at service to the Lord, le Seigneur peut te dire dimanche, the Lord can tell you on Sunday, fais à manger pour ta femme, feed your wife. Sors dans un parc pour, avec tes enfants. Go to the park with your children. Il est esprit le Seigneur. He's a spirit, the Lord. C'est pas le message. What is the message? Vous recevrez. You will receive. Qu'as-tu reçu? What have you received? Puissance. Vous serez mes témoins. You will be my witnesses. Mes témoins. My witnesses. Ils l'ont touché. They touched him. Ils ont été touchés par lui. They were touched by him. Ils l'ont vu. They saw him. Ils l'ont entendu. They heard him. Ils l'ont vu à l'œuvre. They saw him at work. Frères, brothers,
La première fois qu'il m'est apparu. The first time he appeared to me. Je devais avoir 15 ans. I was probably 15. Je parle de Yehoshua. I'm talking about Yehoshua. Quelle beauté. What a beauty. J'étais dans une assemblée. I was in an assembly. J'ai eu des problèmes avec le dirigeant. I had a problem with the leaders. Je ne voulais plus y aller. I didn't want to go there anymore. À 3h du matin. At 3 a.m. Il est venu dans ma chambre. He came into my room. Avec une longue robe. With a big long gown. Une ceinture d'or. A golden belt around the chest. On ne peut même pas le fixer. You cannot look upon him. Quelle beauté. What a beauty. Je me suis retrouvé indépendant de ma volonté à genoux. Against my will, I found myself on my knees. Devant ce roi. Before this king. On est plié. I was on my knees. À genoux prostré. On my knees before him, prostrate. Il m'a parlé. He spoke to me. J'ai jamais entendu telle voix. I have never heard such a voice. Sa foi. His voice. Secoue votre intérieur. Shakes all your insides. Ce matin, je dormais. This morning while I was sleeping. Il est venu me parler en son. He came to speak to me in my dream. He was straight. Yehoshua. C'est lui le message. He is the message. Paul said, je ne veux rien d'autre. I want nothing else. Je ne veux entendre rien d'autre. I want to hear nothing else. Que Yehoshua. But Yehoshua. Yehoshua crucifié. Yehoshua crucified. Wow. Vous serez mes témoins. You will be my witnesses. Et dans Acte 2. And in Acts 2. La puissance est descendue. The power came down. Wow. La puissance est descendue. The power came down. La parole dit. The word says. Quand le jour de la Pentecôte était accompli. When the name of the day of Pentecost was accomplished. Il y a eu un bruit. There was a noise. L'église était avec un bruit. The church was born with a noise. Avec un son. With a sound. Avec une voix. A voice. Avec un murmure. Des murmures. With a sound. La puissance du Saint-Esprit. The power of the Holy Spirit. Et la Bible dit de l'âme de feu. The Bible says. Se posa sur chacun d'eux. Was Fire. Parce que beaucoup ont perdu. That's what many have lost. The fire. Et ils se mirent à parler. And they started speaking. Ils n'ont pas été à l'école. They did not go to school. Ils n'ont pas été à l'école biblique. They did not go to biblical school. Ils n'ont pas suivi de formation théologique. They were not trained theology. Ils n'avaient même pas de dictionnaire biblique. They did not have a dictionary. Ils n'avaient même pas de soutane. No aucun costume et cravate. No ties. Ils n'étaient ni baptistes ni pentecôtistes. Oh no, Presbyterian. Hallelujah! La puissance est descendue. The power came down. Brothers and sisters. Ils commencent à parler. They started speaking. Là, il n'était plus question de timidité. There was no shyness anymore at that point. Oh, I'm shy. Il y a quelque chose qui ne va pas. Something is wrong. Hallelujah! Une femme amoureuse. A woman est capable de braver tous les dangers. Is able to go through every danger. Là, le feu est descendu. The fire came down. As the Spirit gave them to speak. Ils ne parlaient pas selon la religion. They were not speaking as religion. Ils parlaient du Seigneur. They spoke of the Lord. Selon le Seigneur. As per the Lord. Oh, sauve-nous, Seigneur. Help us, Lord. Nous sommes malades. We are ill. Malades. Ill. Ah. In Acts 3, miracles. Acte 4. Acts 4, persecution. Do you see this? Et Pierre dit, Peter says, il n'y a de salut en aucun autre. The salvation in no other. Quel message? What a message. Pourquoi parle-t-il du salut? Why speaking of salvation? Salut. Salvation. Délivrance. Deliverance. Sécurité. Security. Sûreté. Assurance, protection. Protection.
Pourquoi parle-t-il du miracle du salut? Why is he speaking about salvation? Mais l'être humain a besoin d'être sauvé. The human needs to be saved. Nous avons besoin d'être sauvés. We need to be saved. Mais sauvé de quoi? Saved from what? Sauvé de qui? Saved from who? D'abord du péché. First from sin. De nous-mêmes? From ourselves. De notre culture? Of our culture. Des mauvaises choses qu'on a reçues? All the bad stuff we receive. Nous sommes dans un monde. We're in the world. Il y a des problèmes. Where there's a lot of issues. Regardez le coronavirus. Look at coronavirus. C'est la panique. It's panic everywhere. Un petit virus. A little virus. Des compagnies fermées. Companies closed. Voyez à quel point ça montre à l'humanité à quel point elle est. Is showing humanity how useless it is. Un petit virus. A little virus. Des compagnies aériennes. Annulent leur vol. Companies close and shut their flights. Un petit virus. A little virus. Des gens qui étaient riches. Rich folks. Du jour au lendemain, tout s'écroule. Overnight, everything falls apart. À cause de quoi? Because of what? Un petit virus. A little virus. Vous avez vu ces hommes et ces femmes? You see these men and women? Qui se prenaient pour quelqu'un? Who thought they were someone? J'ai vu le président des États-Unis qui a rassemblé des grands professeurs pour qu'on trouve un vaccin. I saw the U.S. president who gathered all these bright folks to see to find a vaccine. It's not something that will take a month, he says. Ni de 6 mois. Or 6 months. Il faut des années. We need years. Oh, moi je connais quelqu'un. I know something like that. Oh, je le kiffe. I love him. Oh, je l'aime. I love him. Ah, il est magnifique, pas magnifique. Yes. Yoshua, c'est la beauté personnelle. Yoshua is beauty. Personalized. Ah! Ce n'est même pas un, c'est un petit virus. It's a little virus. Mais tu veux un petit démon. A little demon. Des grands de ce monde se rassemblent. Pour trouver la solution. To find the solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? What are we gonna do? Qu'est-ce qu'on doit faire? What must we do? C'est la panique à bord. It's panic everywhere. Mais nous qui sommes enfants, citoyens des cieux. But us as citizens of the heavens. We have no fear. No fear. Nous savons où we nous know where we're going. Nous sommes des marcheurs. We are walkers. Nous sortons de Sodome et Gomorrhe. We're coming out of Sodome et nous allons vers les cieux. Hallelujah! Oh! On va vous présenter celui qui a vaincu le virus. We want to present you the one who conquered the virus. Ils ensemble. They come together. Pour trouver la solution. To find solution. Contre ce virus. Against that virus. Ils ne s'assemblent pas. But they don't get together. Pour trouver la solution. To find solution. Pour le au virus le plus dangereux. To the most dangerous virus. Le péché. Sin. Amen. 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 And that's where you come in. Parce que tu es témoin. Because you are a witness. De celui qui a vaincu le virus du péché. Of the one who conquered the virus of sin. That's where the assembly must et rise up. Monde entier. And tell the whole world. Il y a sous le ciel. There is in heaven. Aucun autre nom. Under heaven, no other name. Qui m'a été donné. That was given to us. C'est ton voisin, j'ai reçu ce nom. Call your neighbor. I received that name. C'est ton voisin, on m'a donné ce nom. I was given that name. Sois fier de ton Elohim. Be proud of your Elohim. Même si tu n'as rien, even if you have nothing, tu as reçu. You received the name. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Il n'y a aucun autre nom. There is no other name. Aucun autre nom. No other name. Sous le ciel. Under heaven. Voilà l'évangile. That is the gospel. L'évangile. Gospel. Le Seigneur dit quoi? What did the Lord say? Il y aura des pestes. There will be a plague. C'est le cas. That's the case. C'est donc le commencement. This is only the beginning. Pour votre information. For your information. On va maintenant obliger les humains. They will force humans à avoir la puce. To have the chip.
C'est le début. It's only the beginning. Le début. The beginning. Après ce virus. After this virus. Une crise majeure. There will be a big crisis. Sans précédent. That has been no precedent. That will hit the earth. Des compagnies vont fermer. Companies will close. Des banques vont fermer. Banks will close. Des gens vont se suicider. People will commit suicide. Des gens vont perdre leurs emplois. Lose their jobs. Parce que ce qui arrive. It's coming up. Ce qui arrive. That's coming. Ça va être terrible. It will be terrible. Oh Seigneur. Oh Lord. Tu n'es plus le temps de chercher à amasser de l'argent. It's not time to try and get money. Tu n'as rien compris. Amass money. Quel temps? Quel message? What's the message? You haven't understood. What time is it? It's time to prepare ourselves. Son église, son épouse, his church, his bride prepares itself. Car les noces arrivent. For the wedding of the les Lamb is arriving. Arrive. It's arriving. Les noces arrivent. The wedding is arriving. Il y a There is no other name. Aucun. No other. Aucun. I said no other. Frères, brothers and sisters. Il y a beaucoup de choses qui menacent notre vie. There's a lot of things that threaten our lives. Vous savez le nombre de démons qui nous menacent? You know how many demons threaten us? La drogue. Drugs. Nous menace. It threatens us. Les démons. Demons, les maladies, sicknesses, les hommes, men, les hommes qui sont au service de Lucifer, men that are at the service of Lucifer, constantly we are threatened, constantly, en permanence, constantly. Nous sommes menacés. We are threatened. Le plan de l'ennemi semble simple, c'est nous entraîner avec lui. The plan of the enemy is to draw us with him. Voilà pourquoi le Seigneur a établi l'assemblée. That's why the Lord established the assembly, the church. Le salut. To propose and give to bring salvation. Vous avez vu comment les gens du monde sont inquiets? You see how many people in the world are worried? De plus en plus, ils sont inquiets. More and more, they're worried. De plus en plus. More and more. En Europe? In Europe? À cause de ce virus? Because of this virus? Les gens courent. Ils courent vers les magasins, people are running les centres de conversion, to stores and commercial stores. Ils se ruent là-dessus. And they rush in pour faire des provisions. To take goods for themselves. La peur. See what fear la does. Fear. La peur. Fear. Il y a des gens qui ne dorment pas. There are people who don't sleep here on earth. Ils ont de l'argent. They have money. Mais ils ne dorment pas. But they're not able to sleep. Parce que toutes les nuits ils sont menacés. Every night they are threatened. Vous avez le nombre de chrétiens qui sont qui pleurent. You see the amount of Christians that are crying. They're worried. Qui vivent constamment sous la pression. They live constantly under pressure. Constamment. Constantly. Constamment. Constantly. Pourquoi? You know why? Parce que dans le monde, on leur dit. Because in the world, they're told this is how you must live. Voilà ce que tu dois avoir. This is what you must have. Et on court vers les choses qui ne nous rendent pas heureux. And we run to things that don't give us joy. Only one name. Et qu'est-ce qu'on entend dans les assemblées? What do we hear in the assemblies? Venez, on entend séminaires, miracles. On miracles, met les noms des prédicateurs en grand. The names of the preachers are big. Et où est le Seigneur? And where is the Lord in this? Qui guérit? Who heals? Qui sauve? Who saves? Eux ou le Seigneur? Them or the Lord? On va dans un bâtiment d'église. You get into a church building. On va sur le mur. You see on the wall. John Ministry. John Ministry. Oh, wow. On rentre dans un bâtiment d'église. You get in that building. T.D. Jakes Ministry. T.D. Jakes Ministries. In big. Tell your neighbor, that's bewitchment. Tell that's bewitchment. That's witchcraft. Idolatry. We will speak. Les gens sont comment? How are people? Voilé. People are veiled. Blindfolded. If you see this, run. Sortez de ce bâtiment, ce sont des tombeaux. Come out of these buildings. These are tombs. Alléluia. Voilà, je parle. You want me to keep speaking? On va revenir à l'évangile. We will return to the gospel. On va revenir à l'essentiel. We will come back to what's essential. Amen. Si vous rentrez dans un bâtiment, if you go into a building,
voyez la photo d'un pasteur. And you see the picture of a pastor. Prenez vos enfants. Take your children. Quoi? Run. Mon frère. My brother. Prends la main de ta femme. Take the hand of your wife. Si elle veut pas sortir. If she doesn't want to come out. Porte-la. Lift her up. Carry her. If you hear someone say, I'm your spiritual father, go like this. One name. Hallelujah. We will speak. We still have an hour and 50. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Quelqu'un m'a posé la question. Someone asked me one day. Qui t'a envoyé? Who sent you? Qui est ton père spirituel? Who's your spiritual father? Un seul nom vous a dit. I said only one name was given unto me. Oui, d'accord, mais qui est ton père spirituel? Yes, but who's your spiritual father? Mais celui qu'on sait. I said the one in heaven. N'appelez personne sur terre votre père. Call no one on earth. Father. Is that written or not? Vous voulez son père? You want me to speak or what? Il est au ciel. Tu as tout compris, frère. You understood it, brother? Je crois qu'aux États-Unis. I think that in the U.S. à ce temps de la fin, in this end time, comme dans le reste du monde, as, the rest of the world, les pasteurs vont perdre les brebis. Pastors will lose a lot of sheep. L'image que j'ai, the image I have, c'est des brebis du Seigneur qui désertent les bâtiments pour aller au ciel. The sheep of the Lord that will desert all these churches. Hallelujah! Le dimanche, on Sunday, le pasteur fait l'appel. The pastor will call people. Frère Jacques, brother Jacques, where is he? Missing. Church anymore. Viens à l'église. Come to church. Mais tu pries où? Where do you pray? À la maison. At home. Mais c'est pas bien. That's not good. Mais c'est écrit. But it's written. N'abandonnez pas vos églises. It's written. Don't abandon the assembly. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Of the churches. N'abandonnez yes. pas vos rassemblements. La communion fraternelle. Don't abandon the assembly. Yeshua dit. Yeshua said. Là où deux ou trois. Where two or three. Ensemble. Are joined. Au nom d'un pasteur. In the name of a pastor. Au nom de la tombe. Au nom des offrandes prophétiques. In the name of the prophetic offerings. Au nom de l'Église catholique. Or in the name of Catholic Church. Au nom de Sora. Or in the name of Sora. Au nom de vie. Or the name of you. Au nom de Christ. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Est-ce qu'on peut faire le bisou? Can you send him a kiss? Send a kiss to Yeshua. T'as pas réalisé? Have you not realized? Que depuis que tu pries avec des vrais frères et vraies sœurs, 2, 3, 4, 5, il y a plus la présence du Seigneur. More presence of the Lord present. Qui a constaté ça? Who has noticed that? Vous voyez non? You see? Avant, before, on nous disait il faut une chorale. You needed a choir. Pour amener devant le Seigneur. To go before the Lord. Non, quelqu'un nous a déjà pris. Someone already took us. Il nous a ressuscité déjà. And revived us. Il nous a amené dans la présence du Père. Took us in the presence of the Lord. Son nom c'est Yeshua. His name is Yeshua. Hallelujah. Hallelujah. Seul nom. Only one name. Tu veux te marier? You want to be married? Il faut connaître ce nom. You must know that name. Tu veux réussir? You want to succeed? Dans le mariage? In marriage? Il faut connaître ce nom là. You must know that name. Tu veux régner sur le péché? You want to reign over sin? Il faut connaître ce nom là. Know that name. Shora, laisse le. Shora, leave him alone. C'est ton frère. He's a brother. C'est ton serviteur. He's your servant. Mais Yehoshua. But Yehoshua. Il est plus grand que nous. He's higher than us. Il est plus beau que moi, frère. He's more beautiful il than est... him. Ah! Aïe. Let me take my shoes off. C'est ça. Allez. On n'a pas été créé de chaussures. We were not created with shoes. Alors je parle. You want me to speak? You want me to speak? Alors je parle. You want me to speak? Alors je parle. You want me to speak? Au nom de qui? In whose name? Moi-même je vais ranger. Voilà.
Frère, soyons vrais. Let's be honest. Soyons vrais. Let's be honest. And real. Let's be real. Invité quelque part. Well, I was invited somewhere. Les couverts, cuillères, nous avons. We got spoons and all that. Nice. I said, put that to the side. Les meilleures fourchettes, the best spoons and knives. Frères, brothers and sisters. Alléluia. Qui veut tomber amoureux de lui? Who wants to fall in love with him? Alléluia, 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 alléluia. Il opère des choses qui nous choquent. He does things that shocks us. Je vous assure, qui nous choque. It shocks us. Une femme est venue. A woman came one day. Nous parlons des actes du Seigneur. We're talking about the acts of the Lord. Elle dit, frère, je veux avoir un enfant. Says, brother, I want to have a child. Je ne peux rien pour toi. I can't, nothing for you. But I know someone. Frère dit, Dieu nous a appelé. The Lord told me to say, it's dealt with. Elle a un peu de trompe en fait. She did not have a fallopian tube. Je repars encore 2-3 ans après. 2-3 years later, I go back there. Elle me voit et dit, je suis enceinte. She comes to me and she says, I'm pregnant. Qu'est-ce qui s'est passé? I told her, what happened? Elle dit, après la prière. She says, after the prayer, parti voir le médecin. I went to see the doctor. Avec son appareil, il a with his tools. Il a crié. He screamed. Qu'est-ce d'où viennent les deux? He said, where did these tools come from? Quand ton véhicule tombe en panne. When your car is damaged, you go to the garage. Dans tous les pièces de rechange. And they know the pieces to fix it. And the one who created you. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs. Brothers and sisters. Le Seigneur. The Lord. Est vivant. He's alive. Nous prêchons celui qui est vivant. We preach to you the one who lives. Il est celui qui est. He's the one who is. Celui qui est. The one who was. Et celui qui vient. And the one who comes. Pourquoi celui qui est? Why the one who is? On ne comprend pas trop ça. We don't understand this. Nous vous présentons Yeshua. We're presenting to you Yeshua. Celui qui est. The one that is. That's l'éternité. That's eternity. Il n'y avait pas encore Satan. There was no Satan there. There was no Satan. Celui qui est. The one that is. Celui qui est. The one that is. Celui je suis. He's that I am. Il est. He is. On devait commencer par celui qui était. We should have started with the one that. Logiquement, on devait commencer par le passé. We should have started with the past. On commence par le présent. And we start with the present. I am. Ça veut dire quoi? What does that mean? À chaque fois que tu as un problème. Every time you have an issue. Il est là. He is there. Quand l'ennemi t'attaque. When the enemy attacks. Il est là. He is there. Avant qu'il t'attaque. Before he attacks. Il est là. He is there. Hey! Hallelujah! Celui qui était. The one that was. C'est quoi ça? What is that? En fait, c'est son côté humain. That's his human side. Il est venu en tant que homme. He came as a man. Celui qui était. The one that was. Pourquoi? Why? Pour effacer ton passé. To erase your past. Là où on te condamnait. Where you were condemned. À cause de tes péchés. Because of your sins of the past. Because of your ancestors. Il a effacé l'acte. He erased the act. Dans les ordonnances. Était contre nous. Was against us. Celui qui était. The one that was. Il a tout effacé. He erased it all. Oh. Oh. Mais toi, t'es différent des autres humains. You're different than the other humans. Ton passé. Your past. N'existe plus. Does not exist. Les sorciers quand ils invoquent ton nom pour apparaître sur leur dans leur miroir pour te tuer. When they call on your name to appear in their mirrors to kill you. Ils le lisent sans passé. They hear no past. Quelqu'un qui n'a pas de passé. Someone who has no past or no history cannot be condemned. Ton passé est fini. Your past is empty. Nettoyé par le sang de l'agneau. Oh Yeshua, quel beau nom! What a beautiful name! Et ce nom-là, that name,
est gravé sur ton front. Is engraved in your, on your forehead. Sur ton cœur. On your heart. In your heart. Tu te rends compte? Do you realize this? Yeshua. Yeshua. Quand on l'invoque. When you call on him. Frères, sœurs. Brothers, sisters. Oh, hallelujah. Hallelujah. Comment les démons souffrent? The demons are suffering. Quand seulement ils veulent t'invoquer sincèrement. When that name is called sincerely. Oh, hallelujah. Hallelujah. Quand un enfant crie. When a child screams. 3h du matin. At 3 a.m. Papa! Pop, dad! Oh, oh. N'est-ce pas que tu sors de ta chambre? Don't you get out of your room? Pour aller dans sa chambre à lui. Go to his room? Qu'est-ce qui se passe? What's going on, son? Ah, imagine the one who created you. Quand tu invoques son nom. When you call his name. Sincèrement. Sincerely. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yeshua. Yeshua. Il est trop fort. He's too mighty. Trop fort. Too mighty. Too strong. Trop fort. Hein? Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, mon Dieu. Qui veut le rencontrer? Who wants to meet him? Tu vois, ce don qu'il t'a donné. The gift he gave you. Va de plus en plus se manifester pour sa gloire. It's going to manifest itself more and more for his glory. Magnifique Seigneur. Glory, wonderful Lord. Il y en a un sortant d'ici. There are some who will leave here. Et ce deux jours de réunion. For these 2 days of grief, we will not understand anymore. I'm telling you. Il y en a qui ont reçu l'appel pour aider les pauvres. Some were called to help the poor. Aider les orphelins. To help the orphans. Pendant des années. For years. Le Seigneur dit, tu as perdu du temps. The Lord said, you waste the time. On t'a enfermé dans une boîte. You were closed in a box. On t'a empêché de me servir. You were prevented to serve me. Pendant des années. For years. On t'a dit, ne parle pas. You were told not to speak. On t'a dit, ne bouge pas. Don't move. On t'a dit, ne fais rien. Don't do anything. Mon enfant. My child. Mon fils. My son. Ma fille. My daughter. Le temps est arrivé. The time is here. L'heure est arrivée. The hour is here. Je veux me servir de toi. Where I will use you. Pour libérer les autres. To liberate others. Tu es ce messager que le Seigneur prépare. You are this messenger that the Lord is preparing. C'est lui qui permet tes épreuves. He allows these trials. C'est lui qui permet ta persécution. He allows this persecution. Il t'a attiré de loin. He draws you from far. Il t'a fait venir de loin. Draw you from far. Dit, ma fille, to come, you're my daughter. Je parle maintenant à ton cœur. Speaking to your heart. Je réponds à ta prière. I'm answering your prayers. Je réponds à ta prière. I'm answering your prayers. Quand tu priais. When you prayed. Quand tu criais ce matin. When you screamed this quand morning. Quand tu priais hier soir. When you prayed last night. J'étais là. I was there. Je t'ai entendu. I heard you. Et aujourd'hui. And today. Je parle à ton âme. I speak to your soul. J'ai commencé une œuvre avec toi. I started a work with je you. Je veux l'achever. I will achieve it. J'ai commencé une œuvre avec toi. I started a work with je you. Je veux la terminer. I will finish it. Ma main est sur toi. My hand is on you. Ma main est sur ta famille. Ma main est sur ton ministère. On your ministry. Tu parleras comme un prophète. You will speak as a prophet. Tu parleras comme une prophétesse. As a prophetess. Aux nations. To the nations. Je t'en ferai libérer les gens. I will send you to free. Tu as ce don de guérison. A gift of healing. Je veux guérir mon peuple. I will heal my people. Et je t'établis. And I establish you. Je t'établis. I establish you. Pour ma gloire. For my glory. Tu n'as pas le choix. You have no choice. Tu ne peux pas faire marche arrière. You cannot go backwards. Tu ne peux pas fuir. You can't run away. Je te oins aujourd'hui. I anoint you today. Pour ma gloire. For my glory. Voici ma main sur toi. Here's my hand upon voici you. Voici mon onction sur my toi. My anointing upon you. Voici ma puissance my sur toi. My power on you. Oh, hallelujah. Hallelujah. La puissance de délivrance. The power of healing. La puissance de chasser les démons. To cast out demons. Va de plus en plus t'accompagner. Will accompany you more and more. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Oh, Seigneur. Oh, Lord. Bannis la peur. Cast away fear. Je sais combien tu pleures pour ta famille. I know how much you cry for your family. Et c'est là justement que je t'ai établi. And that's where I established you. C'est là. There. Ce que tu vis. What you are living through. Tes épreuves. Your trials. C'est moi qui les permets de sanctifier. I allow this to sanctify you. Je t'amène à la sainteté. I'm calling you to sanctification. À la sanctification. Sanctification. À la holiness. Consécration. Consecration. Tu es cet instrument you are this tool que je veux utiliser pour that, ma gloire. That he will use for his glory. Tu vas encore souffrir. You will suffer more pour ma gloire. For my glory. Et tu verras la rétribution des méchants. And you will see the payment to the, bénis to the wicked. Ceux qui t'ont fait du mal. Bless those that are bénis ceux you. Qui te combat. Those that fight you. Car c'est moi qui justifie. Because he justifies. Le Seigneur parle à quelqu'un aujourd'hui. The Lord is speaking to someone today. Bénis cette personne. Bless that person. Pardonne. Forgive them. Mon enfant, pardonne. My child, forgive pardonne, them. Je guéris ton cœur maintenant. Forgive them.
Seigneur. Oh Seigneur. Tu vas retrouver ton intimité. You will find your intimacy avec le Seigneur. With the Lord. Ta relation. Your relationship. Souviens-toi quand tu t'es converti. Remember when you first came to the Lord. Comment tu aimais le Seigneur. How you loved the Lord. Souviens-toi comment tu te levais le matin pour prier. You would wake up in the morning to pray. Ma fille. My daughter. Je te veux devant ma face. I want you before my face. Je te veux devant moi. Before me. Comment tu priais. How you used to pray. Je jeûnais. You. Comment tu parlais de moi. You would talk of me fasted. N'aie plus honte. Don't be ashamed. De celui qui t'aime. Of the one who loves you. Oh Père, merci. Father, thank you. Merci Seigneur. Thank you Lord. Le Seigneur libère quelqu'un de la mort. The Lord is freeing someone from death. Libère quelqu'un de la mort. Freeing from death. La mort qui rôde autour de toi. Death that's roaming around. La mort qui rôde autour de ta famille. Roaming around your family. La puissance de la mort est brisée. The power of death is broken. Le Seigneur chasse cet esprit the de mort. The Lord is casting the spirit of death. Maintenant. Now. Tu vas quitter cette personne. You will leave this person. Tu vas lâcher ma sœur. You will leave that sister. Tu t'en vas maintenant. Leave now. Je ne veux pas t'entendre. I don't want to hear you. Tu sors de son âme. Come out of her soul. Elle ne mourra pas. She will not die. Tu la quittes maintenant. Leave her now. Non, in the name of Yeshua. Oh Seigneur, merci. Thank sors. You, Lord. Come out. Sors de cette famille. Come out of that woman. Sors de cette vie. Come out of that life. Sors d'elle. Come out of her. Je dis sors d'elle. Come out of her. Sors d'elle. Come out of her. Sors. Come out. L'esprit de mort s'en va maintenant. The spirit of death is leaving. Ma sœur, ce démon My s'en va. Sister, the demon is leaving. Ce démon te quitte. This demon is leaving you. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Il y a un démon de mort. Il y a un esprit de mort. Demon of death. Il y a un esprit de mari de nuit. And a nightly husband. Mari et femme de nuit. Nightly wife and husband. Des gens qui sont très très attaqués la nuit quand ils dorment par des esprits de nuit. Very tormented at night when they sleep. Le Seigneur vous rend libre. The Lord is freeing you right now. Maintenant. Right now. Sortez. Come out. Sortez. Come out. Quitte-la. Come out. Ces esprits bloquent le mariage. These spirits are blocking marriage. Ma sœur. My sister. Tu as assez pleuré. You cried enough. Cet esprit de mari de nuit. That spirit of nightly husband. Quitte-la. Leave her. Quitte cette femme. Leave these women. Quitte cette femme. Come out. On a volé le mariage. They stole marriage. Le bonheur familial. Family happiness. C'est quelque chose de la famille. It's something of the family. Que le Seigneur prise. That the Lord is breaking right now. Maintenant. Come out. Oh Seigneur. Et toi. Come all three of you. Oh. Son nom opère. That name works. Son nom guérit. That name heals. Son nom libère. That name liberates. Son nom restaure. It restores. Oh Seigneur, et la puissance. Come out of her. Come out of her. Le démon s'en va. The demon is leaving. La puissance du Seigneur. See the power of the Lord. Ah, c'est un gros serpent qui est là. Big serpent she has. On va porter là ici. Lift her up here, please. Le Seigneur opère. The Lord is operating. Dans tout ton corps. On all your body. La puissance du Saint-Esprit. The power of the Holy Spirit. La puissance de la résurrection. The power of the resurrection is operating. La puissance du Seigneur restaure ta force. The Lord is restoring your strength. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Au nom de Yeshua. Yeshua. La puissance d'AVC est brisée. Of the stroke is broken. Le Seigneur restaure ta santé. The Lord is restoring your health in the name of Yeshua. Sa force sort d'elle. Snake, come out. Sort d'elle. Come out. Elle ne t'appartient pas. She does not belong to you. Le Seigneur vous libère. The Lord is freeing you. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Oh Seigneur. Et de là, la puissance du Seigneur. Oh, belle onction du Saint-Esprit. A good presence of the Holy Spirit. Oh, alléluia. Bouge ses jambes là, le Seigneur travaille ton corps. Move papa. Your legs, your heart, your legs. The Lord is at work. En fait, ils ont dépêché un démon de mort hier. He sent a death demon pour ta yesterday tête. To catch avant-hier. Before yesterday. Depuis des années. For years. Le Seigneur. Ils avaient prévu sa mort. They planned his death. Cette semaine. This week. Mais le Seigneur n'a pas permis. But the Lord did not allow. Ta mission n'est pas finie. Because your mission is not accomplished. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Voyez pourquoi il me fait masser la tête ici. See why the Lord is making me massage his head. La flèche est rentrée par ici. The arrow came from there. Entered through there. La puissance du Saint-Esprit. The power of the Holy Spirit. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Ça, c'est la puissance du Seigneur. This is the power of the Holy Spirit. Oh Seigneur. Oh Lord. Oh Seigneur. Oh Lord. Oh Seigneur. Oh Lord. Oh Seigneur. C'est réglé. It's done. Dealt with. Le Seigneur a entendu ta prière. The Lord has heard réglé. Your prayer. Oh, oh Seigneur.
quelqu'un. Someone. Le Seigneur délivre une personne. The Lord is le délivre d'un serpent. Delivering them of a snake. C'est un serpent familial. It's a family snake. C'est un totem. It's a totem. Un esprit qui travaille dans ta famille. A spirit that's working in your family. Depuis des siècles. For centuries. Cet esprit fait des dégâts. That spirit is causing a lot of damage. Cette chose détruit tout. That thing destroys everything. Cette chose provoque la colère. It causes anger. Le Seigneur a entendu tes larmes. The Lord saw your tears. Le Seigneur pose sa main sur toi. He puts his hand upon you. Il t'a franchi. Il te libère. He liberates you. Il brise cette chaîne. He breaks these chains. Familiale. Family chain, ties. Libre, that you might be free, libre, free, afin que tu le serves, so that you might serve libre, him freely, libre, free. He said, libre, free. Libre, free. Cette femme a that assez woman souffert. Suffered enough. Cette femme a assez pleuré. That woman cried enough. Cette femme a assez crié. She screamed enough. C'est réglé. It's over. It's dealt with. Tell your neighbor, this is the power of the Lord. Hallelujah. Oh, Seigneur. You see how the demon portez-la. Carry her forward, please. C'est un homme. It's a man. Qui est sorcier. That's a witch. Qui l'a épousé la nuit. That married her at night. Quelqu'un de sa famille. Someone from her family. Qui dit c'est sa femme. That says that she is his wife. Qui croit que le Seigneur peut la délivrer. Who says that? Who knows that the Lord can heal? What's given to us under heaven? Ça, c'est la puissance du Seigneur. This is the power of the Lord. Oh Seigneur. Les gens sont possédés. People are possessed. Les gens ont des comportements qui ne contrôlent pas. Attitudes that they cannot control. Soit c'est des blessures. Either it hurts. Le Seigneur les guérit. And the Lord heals. Soit c'est la présence des démons. Or it's presence of demons. Et le Seigneur les chasse. And the Lord casts them out. Et la personne retrouve sa vie. And the person finds their life again. Retrouve la santé. Health again. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Il y a un autre esprit ici. There's another spirit here. Qui est très en colère. That's really angry. Très en colère. Really angry. Un esprit. A spirit de contrôle. Of control. Cette personne, this person, même quand elle est seule, when even by themselves, elle ressent des présences. She feels weird presences. Le Seigneur te libère. The Lord frees you. Ce démon quitte ta vie. This demon leaves your life. Non, in the name of Yeshua. Le Seigneur te libère. The Lord is freeing you, young man. Le Seigneur te délivre. The Lord is delivering you today. Parce que tu vas prêcher l'évangile. You will preach the gospel. Tu vas prêcher l'évangile. On a pratiqué du vaudou contre lui. Mais c'est un évangéliste. But he's an evangelist. Il a prêché la parole. Preach the word. Tu vas nourrir les pauvres. Tu vas nourrir les orphelins. And the orphans. Le Seigneur t'a choisi. The Lord has chosen you. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. It's dealt with. Oh, c'est pas fini. It's not over. Ce n'est pas fini. It's not over. Yeah. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, ouais. Voyez, donnez un sac, elle est en train de vomir quelque chose. Elle va rendre. Jésus. Elle va rendre. Il y a des choses qui se passent ici. Things are happening here. Il y a des démons qui ont peur. Demons are afraid. À cause de la présence du Seigneur ici. Because of the presence of the Lord. Il y a des démons qui tremblent maintenant. Demons are shaking right now. À cause de la présence because du Seigneur ici. Of the presence of the Lord. Il y a des démons qui sont en panique. Demons are in panic. À cause de la présence because du Seigneur ici. Je vous dis, il se passe des choses ici. You, things are happening. Des choses qui se passent. Things are happening. La chose est arrivée. Things are happening. La gloire du Seigneur. The glory of the Lord. Est en train de tomber ici. It's falling upon. Hey, Seigneur. Hallelujah. Ouais, c'est la puissance du Seigneur. It's the power of the Lord. Oh, c'est magnifique. Oh, it's wonderful. Ouais, c'est magnifique ça. Wonderful. La gloire du Seigneur. The glory of the Lord. La gloire du Seigneur. The glory of the Lord. La gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur. Hallelujah. La puissance du Seigneur. Power of the Lord. The prophetess. The evangelist.
The glory is upon you. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. You see this? Ce n'est pas fini. It's not over. Ce n'est pas fini. It's not over. Des langues de feu. Tongues of fire. Tombent sur les gens ici. Are falling upon us. Des langues de feu. Tongues of fire. Tombent sur les gens ici. Des langues de feu. Tongues of fire. Tombent sur les gens ici. Au nom de Yeshua. Oh, hallelujah. Hallelujah. Voici la puissance du Seigneur. Receive the power of the Holy Spirit. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. De nouveau parler en langue. You speak in tongues. Alléluia. Alléluia. De nouveau parler en langue. You will speak in tongues. Regarde là. Help her. Quelque chose sur elle. There's something upon her. Le Seigneur pour elle. Come to her. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Lord. Il est magnifique. He's wonderful. Come, come. Oh Alléluia. Come. Oh Alléluia. Voyez la puissance du Seigneur. You see the power of the Lord. La gloire de Yeshua. Oh, pour être de là. Come for you two over there. You two sisters. Come. Oh, alléluia. Jeune sœur là. Jeune sœur. The young sister, la puissance du Seigneur est sur elle aussi là. Young sister, come forward. Alléluia. Mais la puissance du Seigneur. See the power of the Lord. Voilà, alléluia. Alléluia. Il guérit. Là, il y a des guérisons. He heals up. He's operating. Il y a des guérisons qui s'opèrent. Healing is happening right now. Puissance du Seigneur. The power of the Lord. La gloire du Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Voilà la puissance du Seigneur. The power of the Lord. Alléluia. Magnifique Seigneur. Wonderful Lord. Magnifique Seigneur. Wonderful Lord. Magnifique Seigneur. Wonderful Lord. Oh. Oh, Lord. Oh. Alléluia. Merci, alléluia. Oh. Le Seigneur essuie des larmes. The Lord is wiping your tears. La libération de la famille arrive. Freedom in your family is coming. Le Seigneur veut se révéler toi comme un père. The Lord wants to reveal himself as a father to you. Le Seigneur voit tes larmes. He sees your tears. Il entend les questions que tu te poses. He hears the questions you have. Le Seigneur change ton histoire. He's changing your story. Il va se révéler particulièrement à toi. He's revealing to you specifically. Et tu vas aider les autres de plus en plus. You will help others more and more. Tu vas annoncer sa parole. You will announce his word. Il te dit je te connais. You know, he says I know you. Je vois ta souffrance. I see your suffering. Je vois toutes ces souffrances. I see all the suffering. Je veux me glorifier dans ta vie. I want to glorify myself in your life. Me révéler à toi. I will reveal myself je to you. T'aime. I love you. Je t'aime. I love you. Je t'aime. I love you. Plus que tu le crois. More than you know. Plus que tu le penses. More than you think. Plus que tu le crois. More than you know and believe. Mais la puissance du Seigneur. You see the power of the Lord. Puissance du Seigneur. Power of the Lord. Oh. Oh. Quelqu'un ici? Someone here. Croit que le Seigneur ne l'aime plus. Believes that the Lord doesn't love them anymore. Je dis à cette personne. The Lord tells me to tell that person. Que je l'aime. That I love them. Que je l'aime. That I love them. Mon enfant. My child. Je t'aime. I love you. Mon enfant. My child. Je t'aime. I love you. Maintenant. Now. Prends courage. Take strength. Je t'aime. I love you. I love you. Le Seigneur te libère. The Lord is freeing you. Il te libère. He's 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 freeing you. La mort s'en va. Death leaves. La puissance de la maladie s'en va. The power of sickness leaves. Maintenant. Now. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Quitte ce corps. Leave this body. Quitte ce corps. Leave this body. Le démon a peur. The demon is afraid. Quitte ce corps. Leave this body. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Oh Seigneur. Oh Lord. Là, ma sœur. Right now, sister. La mort s'en va. Death is leaving you. La maladie est brisée. Sickness is broken. La mort s'en va. Death leaves. Le Seigneur a vaincu la maladie. The Lord conquered sickness. Il a vaincu la maladie. Conquered sickness. Il a quitté ce corps. Leave this body. Sickness leave. Now, Sunday. Come on, man. Acclame le Seigneur. Pray for the Lord. That's the puissance du Seigneur. The power of the Lord. Oh, Seigneur. Oh, Lord. That's the puissance de la résurrection. The power of the resurrection. Oh, puissance de la résurrection. The power of the resurrection. Oh le Seigneur. Oh, Lord. Oh le Seigneur a vu. The Lord has seen. Le Seigneur a entendu. The Lord has heard. Je vois tes combats. Your feet, your back. Your pains. The Lord knows. Oh, le Seigneur connaît. The Lord knows. The power of the Lord. Glory to the Lord. Oh Seigneur, magnifique. Glory to the Lord. Il est magnifique le Seigneur. He's wonderful. Seigneur. Voyez ça. See this. Le Seigneur te connaît. The Lord knows you. Le Seigneur voit aussi tes larmes. He sees your tears as well.
Prepare yourself. Il veut se révéler à toi. He wants to reveal himself to you. Il voit tes larmes. He sees your tears. Tes combats. All your fights. Même parfois ta famille. And in your family. Le Seigneur veut restaurer les choses. He wants to restore things. Dans la famille. In your family. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Parfois tu te sens seul. Sometimes you feel alone. Tu pleures. You cry. You suffer. T'es pas parfois compris. You're not understood. Mais le Seigneur dit, but the Lord says, come. Demeure. Come. Dans ma prière. Remain in my presence. In the name of Yeshua. Et te guéris. He heals you. Il te blesse. Of all this hurt. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Now. Maintenant. Now. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. On peut augmenter le son du piano. Raise the volume of the piano, please. La douleur au niveau du dos. Pain in the back. Elle s'en va. It's gone. Au nom de Yeshua. It's gone. In the name of Yeshua. Il guérit. He heals. Il guérit. He heals. Douleur au niveau du ventre. Pain in the belly. It's gone. Cancer. Cancer. Parti au nom de Yeshua. Gone in the name of Yeshua. AVC. Parti au nom de Yeshua. Strokes. In the name of Yeshua. Gone. Problème de rein. Réglé. Gone. Lung issues. Tous ces baptêmes, tu m'as aimé. All this for the baptism.
vivant, Seigneur. You're alive, Lord. Tu es glorieux. You're glorious. Tu nous aimes tant, Seigneur. You love us. Tu nous aimes tant, you so love us, Lord. Tu as ouvert grandement tes bras. You opened your arms. Pour nous accueillir. To welcome us. Nous t'offrons nos cœurs. We offer you our hearts. Nous t'offrons nos vies. We offer our lives. Nous ne voulons plus pécher. We don't want to sin anymore. Prends nos vies. Take our lives. Hey. Father. Hey. Father. Hey. Father. Hey. Father. Nous voici. Here we are. Seigneur. Oh Lord. Ah oui, les maladies sortent. Sicknesses are leaving. Les démons sortent. Demons are leaving. Dans sa présence. In the Lord's presence. Les démons s'en vont. Demons leave. Les maladies s'en vont. Sicknesses leave. Les guérisons s'opèrent. Healings happen. Dans sa présence. In His presence. Les choses s'opèrent. Things operate. Dans sa présence. In His presence. Il nous restaure. He restores us. Dans sa présence. In His presence. Il a fermé nos membres. He affirms our members. Strengthens our members. Wow. He calls you here to tell you he loves you a lot. Il fait de toi un père. That's what you, a father, makes you a father. For many. Tu vas prêcher de plus en plus sa parole. Oh, I know the word. Au nom de Yeshua. Oh oui. Yes. Il te donne des orphelins. He gives you orphans. À nourrir. To feed. Prépare-toi, mon fils. Will you prepare yourself, my son? Je te pardonne. I'm forgiving you. Je te restaure. I restore you. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Wow. Wow. He consoles you. Il te console. Tu n'es plus seul. You're not alone anymore. Mon fils. My son. Je t'aime. I love you. Je te pardonne. I forgive you. Tu vas annoncer ma parole. You will announce my word. Oh. For your family, il agira. He will act. Il entend ta prière. He heard your prayer. Pour ta famille. For your family. On acclame le Seigneur pour elle. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Oh Seigneur. Tu vas prêcher ma parole. You will preach my word. Il y a un appel pastoral sur ta vie. Pastoral calling on you. Depuis le vent de ta mère, je te mise à part. Since the belly of your mom, he has set you aside. He has his power upon you. That is the power of the Lord. Cette femme, his wife, je te l'ai donné. I gave her to you. Tous les deux, vous allez proclamer. Together you will proclaim mon retour. His return. My return. Oh, ce dos-là. Oh, le Seigneur aime ses enfants. The Lord loves his children. Oh. Ah, il est ton père. The Lord is your father. On va juste dépasser parce que c'est parfait. Effacer. Le Seigneur a effacé nos péchés. Et ça, and this, c'est restauration.
Restoration. Sa guérison. Her healing. Sa guérison. Her healing. En fait, c'est le Père. It's the Father. Qui est venu lui-même. Who came by himself. Pour rassurer. To reassure. Pour rassurer. Ses enfants. His children. Pour rassurer. Reassure. Pour rassurer. To reassure. Ses enfants. Pour rassurer. See this. Pour rassurer. To reassure. Pour rassurer. Reassure. Il t'aime. He loves you. Il t'aime. He loves you. Il t'aime. He loves you. Tu vois ça? See this. Clap for the Lord. Oh. Tu vois ça? See this. To reassure. Tu vois ça? See this. To reassure. Là, la puissance du Seigneur. The power of the Lord. Rassurer. Reassure. Le Seigneur te connaît. The Lord knows you. Pour ta famille. Your family. Jean-Géry. He will act. Tu sors d'ici et transformé. C'est ma gloire, ma fille. For my glory, my daughter. La guérison arrive dans la famille. Healing is coming into the family. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Oh, alléluia. Le Seigneur a vu des larmes. The Lord has seen your tears. Patrick, au nom de Yeshua. Patrick, in the name of Yeshua. Le Seigneur a vu. Le Seigneur a vu. He's seen it. The Lord has seen it. Il aime le Seigneur. He loves you, the Lord. Oh là. Right here. Là. Right here. Oh Seigneur, il est là. Oh Seigneur, grand, grand la puissance du Seigneur. Oh, 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 oh mon frère. My brother. Oh, vois ça, la puissance du Seigneur. Oh, alléluia. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Voyez ça. See this? Wow, le Seigneur te connaît. The Lord knows you. Pour votre famille. For your family. Un temps de nous voir. A new time is approaching. The Lord said. La pluie du Seigneur tombe. The rain of the Lord is falling on the valley. Au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Oh, alléluia, Seigneur, merci. Oh, alléluia. Someone here a reçu. Receive. De mettre en place une école en Haïti. Put a school in Haiti. C'est moi qui te l'ai dit. I gave it to you. Tu dois le faire. Do it. Mon enfant. My child. Tu dois le faire. You must do it. Tu dois le faire. You must do it. Oh, Seigneur. The tears. He put you aside. Le ventre de ta mère, il t'a mis à part. The belly of your mom, he put you aside. Set you aside for his name. Tu vas aider beaucoup de personnes. Help me. Beaucoup d'enfants. Many children. Tu vas comme un médecin. Tu vas soigner les gens. You will heal others. Tu vas guérir les malades. Heal the sick. Tu vas servir les terrains pour guérir les malades. Use your hands to heal the sick. Tu vas donner Job 22, 36. He gives you John. Tu vas donner le nom de guérison. Je serai à tes côtés. I will be by your side always. Pour ta famille, je... Your family, I've seen. Le temps de la libération arrive. The time of freedom is at hand. La puissance là. Le Seigneur te connaît. The Lord knows you. Oh, tu aimes le Père. Tu l'aimes. Oh, you love him. Fortifie-toi, ma femme. Fortify yourself, my daughter. In the name of Yeshua. Oh. Seigneur vous aime. The Lord loves you. Oh, the Lord loves you. Alléluia. Il va se révéler à toi de plus en plus. He will reveal himself to you more and more. To announce his word. Comme un missionnaire. Like a missionary. Va t'envoyer dans les nations. To send you the nations. Il va se révéler particulièrement à toi. Reveal himself particularly to you. You will be the father of many children. Even children that you will not have yourself. He says, prepare yourself. The meeting with your creator. You will answer all your questions. Each of them. You will like injustice. You will help serve. You will help others. You will surprise you. Oh, yeah, God, we say, Le Seigneur veut te donner du sang. He knows. Le Seigneur te guérit, mon frère. The Lord is healing you, my brother. In the name of Yeshua. Oh, Seigneur, tu es magnifique. Oh, Father, you're wonderful. Regarde où la maladie est partie. Look where you were hurting. The sickness is gone. Amenez-le au baptême. Bring them to baptism. Wow. What is the name?
Jesus is my brother. The Lord loves you. Magnifique. Magnifique, Seigneur. Wow, alléluia, alléluia. Le micro. Where's the mic? Elle était catholique avant. She was Catholic before. Quand je me suis mariée, ma mère, je n'ai pas pu aller à l'église. I was not able to go to church. Après ça. After that, I left Catholic and I went to the Lutheran church. Le Seigneur va restaurer des choses. The Lord will restore things. Qui a reçu une guérison dans son corps? Who received a healing in their body? Tu as reçu quoi? What did you receive? J'ai mal de l'estomac. Non, j'avais le problème de là. La vessie. Pendant 3 heures, je tenais ma main. Maintenant, je sens rien en fait. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Qui d'autre? Qui d'autre? Who else? Alléluia. Okay. Just pray. Amen. Il veut recevoir le Seigneur. He wants to receive the Lord. Alléluia. Oh, Seigneur.